Salut tout le monde, vite fait, cette semaine on a fait le rodage du moteur avec la planche de bord en place, donc avec tous les switches, tout est connecté et tout, donc le faisceau quasi fini sur la voiture. Là maintenant que le rodage est fait, il faut que je redécuasse le moteur pour remettre des ressorts au niveau des soupapes, donc je vais filmer un peu tout ça en timelapse et puis voilà. Je commence par démonter le filtre à air, ensuite j'attaque à démonter les durites d'arrivée d'essence, donc en connexion AN. Puis l'idée est de démonter le carburateur ainsi que le support de commande d'accélérateur. Donc on voit les deux ressorts qui sont vers l'avant du carburateur. Là je marque leur position et je les desserre afin de pouvoir tout démonter. La position pourra donc être retrouvée par la suite. Ensuite on voit donc la pipe d'admission bien visible et je vais commencer à démonter les couvre-culasses de chaque côté. Donc juste 5 vis de chaque côté, c'est relativement facile à démonter. Les joints qui étaient jusqu'à présent en liège donc sont remplacés par des joints de meilleure qualité. Les joints en liège m'ont servi juste le temps du rodage. Ils coûtent pas cher donc c'est pas grave. De toute façon c'est balancé après. Maintenant j'ai démonté donc l'arrivée d'eau au niveau de la pompe à eau sur le haut du moteur. Et maintenant j'attaque à démonter la bobine d'allumage et je marque les fils de bougie afin de retrouver leur position quand je vais tout remonter en place. Là, je commence à démonter donc les vis de la pipe d'admission. Il y a 10 vis au total, 12 vis au total, 6 de chaque côté. Celles sur l'extérieur sont relativement faciles à démonter, ce sont les premières à démonter normalement. Puis il y a celles sur la partie centrale, donc entre les tuyaux d'admission, qui sont un petit peu plus compliquées à avoir. Et voilà, donc on fait un petit coup de nettoyage, on enlève les joints en liège, pareil devant et derrière, et les deux joints de chaque côté qui seront en place. Voilà, j'ai démonté toute la demi là déjà. Maintenant il va rester à dévisser les échappements. Ensuite il va falloir que je dévisse aussi sur la voiture pour qu'ils aient un peu de jeu comme ça. Et après je pourrais accéder notamment, vous voyez, une des vis là. Donc là. Ainsi que là. Là, là. Et il y en a une dernière joyeuse ici au fond. Ça va être sympa à avoir avec le mètre cylindre de frein. Je vais voir, je vais sûrement démonter les rampes de cubu. Et puis comme ça, je pourrais sortir les poussoirs, les numéroter. S'il faut qu'ils reviennent bien à la bonne place. Et puis après, je pourrais sortir ça et ensuite démonter les culasses. Donc voilà, ici, cache cubu côté gauche. Quand on est face à la voiture, donc côté passager. Côté conducteur, le carbu démonté, le filtre à air et la pipe d'admission. Donc du coup je vais en profiter pour le nettoyer un petit peu parce qu'elle est un peu crade. Et là j'ai bien remis en fait les vis dans l'ordre où elles sont montées sur la voiture. Parce que notamment en fait ces deux là, elles sont un peu casse-pieds. Parce qu'on voit ici ça frotte. Donc du coup celles là je les avais limées un peu au niveau de la collerette. Donc voilà. Il va falloir que je mette ici une sonde de température d'eau, ici ou ici, je vais voir de quel côté je veux la mettre. Je pense que, ouais, peu importe le côté, de toute façon, et comme ça j'aurai la température au tableau de bord. Et voilà. Maintenant j'attaque à démonter donc les rampes de cubu. Alors il y a un ordre pour démonter, donc il y a les 5 vis. Idéalement il faut démonter quart de tour par quart de tour, histoire de ne pas dévisser complètement une vis pendant que les autres sont serrées. Ça pourrait déformer la rampe. Maintenant je sors les tiges de cubu une par une et que j'ai numéroté avant de les ranger. Et je commence à démonter le collecteur d'échappement côté conducteur. Donc là j'ai laissé la vidéo tourner pendant pas mal de temps, j'ai pas forcément coupé, je voulais montrer un peu le temps que j'ai passé dessus, c'était un peu compliqué. L'inconvénient aujourd'hui sur le moteur, c'est comme je suis en goujon et en visserie ARP pour tenir les vis et les culasses en place, ça veut dire qu'il faut coulisser les culasses sur les goujons pour les sortir de sur le bloc. D'origine on a juste des vis qui vont dans la culasse, qui traversent la culasse et qui se visent dans le bloc.
Donc c'est plus facile, on peut lever la cuirasse verticalement. Là, il faut la coulisser donc à un angle de 60 degrés. Donc démonter le collecteur d'échappement a pris pas mal de temps, il a fallu passer sous la voiture, quelques vis qui étaient un peu difficiles d'accès. J'en ai profité entre temps pour démonter le cache huile qui était dans la partie centrale, donc qui permet maintenant de voir l'arbre à canne et les poussoirs. Là, j'ai démonté toutes les vis de la culasse, j'en ai vu aussi les rondelles d'appui. Et petit à petit, j'arrive à défaire la culasse. Donc, mais là, on voit, j'arrive pas forcément à la sortir complètement, donc ça a pris un petit peu de temps. On voit le collecteur bouger sur moi, sur la voiture. Donc ça m'a pris pas mal de temps, j'ai dû passer quasiment une bonne heure. Donc je m'arrache un petit peu les cheveux dessus. Voilà, je suis toujours dessus, je pense que ça devait être une bonne quinzaine de minutes plus tard. J'ai fini par réussir à l'avoir, donc voilà le côté conducteur à démonter, j'ai fini par réussir à l'avoir en poussant le collecteur vraiment au maximum. Ça passait un peu serré, il y a eu 2-3 modifs que j'ai dû faire sur la culasse par la suite, mais maintenant il n'y a plus ce problème. Donc maintenant la même chose côté passager, démontage des vis de la culasse, pareil, dans un certain ordre, et quart de tour par quart de tour. Si on dévisse certaines vis complètement et pas les autres, on risque de déformer en fait la culasse, qui donc est en appui à certains endroits et pas à d'autres. Donc il y a une séquence vraiment à suivre qui est définie dans le manuel. Et on fait quart de tour par quart de tour, à chaque fois en changeant de vis dans le même ordre. Savoir que les culasses ont donc une dizaine de vis, normalement je crois que c'est 10, ouais, c'est, voilà. Les culasses ont donc une dizaine de vis pour être vissées sur le bloc, donc 5 qui sont dans la culasse et 5 qui sont sur l'extérieur vers l'échappement. Donc là on voit sortir la culasse, pareil, ça touche un petit peu à un endroit ou deux, et puis j'arrive à la voir. Et le joint de culasse, donc, qui pareil, du coup, suite au rodage, est changé, vu que le joint se compresse en fait après être monté. Et maintenant, je remets juste les écrous et les rondelles en place, afin de ne pas les oublier, pas les perdre. Donc voilà, c'était le démontage du moteur suite au rodage. Et maintenant, un petit coup de nettoyage, et voilà.